m'appelle Wamba Silas Yaki et je sors de la région de l'Extrême Nord, tout précisément dans le département du Moyen-Danaï, donc ethnie Tupouré, et j'ai 33 ans. Et maintenant, je suis marié par la grâce de Dieu. En 2014, bon, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a lancé un concours avec bourse. Et je suis allé là-bas, bon, par l'aide d'une sœur qui s'appelle Jeannette, qui m'a aidé dans les dossiers et tout et tout. Maintenant, non, dans ce dossier, vraiment, il y avait beaucoup de concours. Mais j'ai choisi l'agriculture et l'élevage. Et quand j'ai donc choisi l'agriculture et l'élevage, au Cameroun, il y avait un seul centre. Le centre, c'était l'Est. On m'a donné un contact. Quand j'ai appelé, c'est une sœur qui me répond. J'ai dit, hey, c'est même quoi? Je suis allé dans là-bas, ma grande surprise, je vois une vieille blanche. J'ai dit, hey, Seigneur. Vraiment, c'est ça la formation. Elle va m'amener où cette vieille sœur? Laquelle me fait comprendre donc, que vraiment, c'est elle, la fondatrice, le centre que j'ai choisi. Le quartier, la localité s'appelle Kaigama. Donc c'est depuis 2014, le 3 octobre 2014, que je suis à Kaigama. Et moi, je suivais une seule formation, la formation de MINFOP. Et grâce donc à l'aide et au conseil de la sœur Thérèse et de Atouba, qui m'ont conseillé d'embrasser les deux formations en même temps, AFOP et MINFOP. AFOP, bon, c'est appui à la formation professionnelle. Moi, d'abord, je tiens à vous dire que je suis polyvalent. Parce qu'au début, la sœur Thérèse m'a d'abord montré comment élever les lapins. Après ça, elle a constaté que non, c'était trop petit pour moi. Et quand M. Zambodon, qui donnait donc le cours à MINFOP, est venu donc donner le cours sur l'apiculture, et j'ai trouvé ça encore vraiment extraordinaire. C'est là que j'embrasse encore l'apiculture. Le cacao, c'était la même chose. Et aujourd'hui, les activités que j'ai maintenant dans la tête, que même si on me place comment, je peux bien m'en sortir. L'apiculture, culture du poivre, cacao, palmier à huile, et le poulet de chair, et la culture de bananiers plantains. Les compétences humaines que j'ai apprises sont par exemple, il y a d'abord la prière, que chaque matin à 6 heures, on prie en groupe, en équipe, comme j'étais d'abord nouveau. Vraiment, ça me mettait mal à l'aise. J'avais toujours la peur au fond de mon cœur que si je fais telle chose, on va me chasser peut-être la ferme. Mais à la longue, la sœur Thérèse me dit non, ici c'est ta maison. Le meilleur souvenir que vraiment j'ai retenu à la ferme, la prière avec la sœur Thérèse. Parce qu'à chaque fois, quand elle a besoin de prier, elle m'appelait toujours. Et je partais toujours avec elle. Même si elle partait où j'étais là, elle me montre comment on priait. Avec la petite voix, un livre qu'on appelle la petite voix. Ça, c'est le meilleur souvenir qui est resté vraiment au fond de mon cœur aujourd'hui. Vraiment, dans la vie, il faut toujours partager. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu quand même à mettre certaines techniques que j'ai prises à la ferme comme cœur de projet. Il y a par exemple l'apiculture que j'ai commencé au début avec deux ruches que j'ai achetées. Aujourd'hui, je suis déjà à 5 ruches d'habitation et deux ruchettes de captivité. Et ces 2 ruches, c'est 5 ruches que j'ai maintenant. Il y a 2 ruches dedans que moi-même j'ai fabriquées. Parce que pour être autonome, il faut de temps en temps mettre certaines choses en pratique pour que demain, si quelqu'un a besoin de ton aide, il faut que tu sois capable de lui montrer toutes les techniques possibles pour qu'il réussisse aussi dans sa vie. Le 13 juillet 2017, j'ai commencé à défricher le champ. Que vous voyez là, j'ai pris les gens, j'ai commencé à défricher et j'ai mis le maïs sur cette parcelle en août. Et toujours en août, j'ai installé les 2 ruches. Il y a de cela quand même pratiquement 1 an, 5 mois que je suis dans les activités ici dans ma ferme. C'était le 9 juillet 2017. Et ça me dit que la sœur Thérèse et M. Bouchot qui m'ont appelé. Ils m'ont dit que bon, voilà maintenant, tu n'es plus à la ferme, on aimerait te donner un appui. Quand elle m'a donc envoyé ce 100 000, j'avais ça en main. Et j'étais en ville. J'ai commencé à tracer
comment je vais utiliser ces 100 000. Je commence d'abord à dire que je vais faire la liqueur. Quelque chose me dit non, si tu commences par la liqueur et qu'à la fin, si ça ne te donne pas quelque chose, tu vas faire comment? Tu n'auras rien à la fin. Oh, tu as ton champ. Maintenant, je dis que bon, comme j'ai donc le champ, j'ai commencé à sortir le plan de mes activités et évaluer ce que ces activités vont prendre. La main d'œuvre et tout et tout. J'ai évalué ça, ça partait à 96 000. Et il me restait seulement 4 000 dans la poche comme l'argent de la ration. Et tout ça, la sœur Thérèse et M. Bouchot n'étaient pas au courant. Je dormais ici, hein, en bas de l'arbre que vous voyez là, je dormais là. C'est la sœur Thérèse qui m'appelle donc pour me dire, Silas, les 100 000 qu'on t'avait envoyés, tu as fait quoi avec? Je dis, ah, ma sœur, j'ai défriché mon champ, j'ai acheté la semence de mon maïs et j'ai acheté 2 ruches. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui. Elle me dit, est-ce que tu peux me filmer tout ce que tu as acheté? Et le champ est m'envoyé. Elle croyait que je mentais. J'ai dit, ma soeur, vous m'avez appris avec quelque chose. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans ma tête. Quand je mens, ça sera contre qui? Contre moi-même. Si je vous mens aujourd'hui que j'ai 2 ruches alors que je n'ai pas de ruches, c'est mon problème. Et c'est mon avenir que je suis en train de gâter. Elle était vraiment très, très contente. Elle a passé les images à M. Bouchot. Monsieur Bouchot et aux autres. Et tous les donateurs étaient très contents. C'est là qu'il me demande donc de sortir les dépenses de tout le matériel que j'avais acheté d'abord, dans le 100 000 qu'il m'avait donné. J'ai fait sortir toutes les dépenses. À la fin, il se retrouve que j'avais 4 000 de rations. Il me dit, 4 000, et tu as fait comment pour survivre dans ta ferme pendant un mois? Il dit, non, Monsieur Bouchot, Dieu est là pour nous tous. Mais je sais que tous ces donateurs m'ont quand même aidé. Si je suis aujourd'hui comme vous me voyez là, franchement, dans mon cœur, je ne sais pas comment je vais les remercier. Oui, bon, par rapport à mes projets futurs, je suis que le champ, dans bientôt, je vais commencer à récolter. Il y a le miel que je vais commencer à récolter d'ici le 22 janvier. Et le maïs que j'ai déjà récolté, bien sûr que ça ne m'a pas donné un bon rendement, mais ce n'est pas quand même mauvais. J'ai envie, peut-être d'ici le mois de mars, défricher une autre parcelle pour mettre le maïs et les ruches. Donc, pour le moment, je suis en train encore de récolter le manioc pour pouvoir rembourser le prêt que j'avais prêté chez le donateur pour creuser mon puits. Donc, parce que quand on prête quelque chose, il faudrait qu'on fasse tout pour rembourser. Et c'est ça maintenant que j'ai maintenant dans la tête. Le champ que vous voyez là, c'est trop petit pour moi. Parce que maintenant, quand on a essayé un peu de faire le tour, les ruches sont maintenant un peu serrées. Donc, il me fallait une autre parcelle pour augmenter le nombre de ruches. Parce que c'est ça, vraiment, ma passion, quoi. C'est ce que j'ai vraiment au cœur. Pour le puits, vraiment, si c'est à Dieu et que je réussis à rembourser l'argent du donateur, je peux transformer ce puits en fourrage en leur demandant encore de prêts. Et s'il y a aussi la possibilité qu'ils peuvent aussi m'aider, comme ici, il y a le problème de la lumière. Vraiment, je trouve que mieux s'il y a la possibilité de trouver une plaque solaire, parce que je suis dans une localité où c'est un peu éloigné des agglomérations et qu'il y a aussi les vols qui circulent de gauche à droite. Mais s'il y a la lumière, je pense que ça va peut-être me permettre un peu de veiller sur mon exploitation. Pour le donateur, vraiment, franchement, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans leur remercier. J'ai ça depuis dans mon cœur parce que je ne savais pas comment leur dire un mot. Et comme vous êtes là aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour moi de les remercier tout au fond de mon cœur. Merci beaucoup. Je voulais faire une surprise à la sœur Thérèse, à Monsieur Bouchot et à maman Françoise Bazin pour leur aide dans le projet de mariage que voici le fruit que je suis allé au nord chercher grâce à leur aide et à leurs conseils que j'ai réussi à réaliser leur projet. Et voici ce que j'ai amené à Monsieur Bouchot et à Monsieur Taillé et à la sœur Thérèse. Donc, c'est ma femme que vous voyez ici, elle s'appelle Wiparaémé. Donc, elle sort du nord, précisément aussi de la région de l'extrême nord, d'Arghala.
m'appelle Bassal André Collion, de la région de l'Est, d'Etoile, Imaka de l'Est. Et j'ai une copine avec une fille. Copine qui a 18 ans et ma fille qui a 1 an. Bon, ici, Yenatiko David, j'ai 23 ans. Ici, Egni Pimé Baka, et l'arrondissement de Molundu, département de la Bumba Ngoko. Connu la soeur un dimanche, parce qu'elle est arrivée là-bas, on m'a dit, bon, il y a une ferme à Kaigama, et ce sont les soeurs qui habitent là-bas. Après, donc, le dimanche, la soeur est arrivée, je l'ai vue pour un stage de vacances. Elle m'a demandé, oui, tu peux venir. C'est là où ça commence pour que j'arrive ici à la ferme école de Kaigama. Après, donc, je suis arrivé, je me suis mis à travailler, faire des petits travaux, couper les herbes pour les lapins, aller récolter le maïs, le soja, jusqu'à ce que les mois de vacances étaient déjà épuisés. Bon, la sœur Thérèse m'a donc vu et m'a dit proposer si je peux suivre une formation dans l'agronomie, quoi, l'agriculture et l'élevage. Le matin, quand je me suis levé, j'ai vu comment ça se passe ici. Avec tout est simple. Tu as les poulets, tu as les lapins, tu as ton champ. Tu es autonome, tu n'as pas de problème. Et puis je suis monté, j'ai dit à la sœur, oui, j'accepte. Donc j'ai fait 2 ans à EFA de formation. Et puis je suis rentré à la ferme. Oui, continuer à travailler et continuer à bien apprendre aussi. Bon, ce qui me fait arriver ici à la ferme école de Kaigama. Bon, chez nous là-bas, à Molundu, la sœur était d'abord là-bas avant d'arriver ici à Bétoa, avant d'arriver à Kaigama. La sœur était, et c'est elle qui finançait mes études. Bon, à arriver là-bas, bon, elle est quittée, elle est venue à Kaigama, ici, restée à Molundu. La sœur me pose la question que met David. Avec les métiers que tu vas prendre ici et au lycée là-bas, qu'est-ce que tu vas bénéficier? Après les métiers là-ci, si tu te formes, tu vas t'installer, tu deviens autonome. Tu t'installes dans tes propres comptes, tu deviens autonome. Elle dit à la sœur que oui, voilà, c'est une bonne idée. Elle m'a aussi, bon, subitement, le dossier de Minefop est arrivé. J'ai monté mon dossier de uniforme, j'ai reçu une bourse et on m'a envoyé ici à la ferme école de Kaigama pour suivre une formation pendant une durée d'un an. C'est là que je me suis introduit dans l'agriculture, l'élevage des porcs, poulets, chèvres, pondeurs, même la pisciculture, même la cacaoyère, même l'apiculture. Donc on est tous les du coup, on est tous les deux à Minefop. Oui, pour mon projet, j'ai un projet sur le poulet de chair et associé au maïs soja. Pourquoi au maïs soja? Parce que avec, si j'ai mes sujets, pour ne pas avoir trop de dépenses, acheter le maïs, le soja pour formuler moi-même l'aliment. Il me faut donc un champ de maïs en place associé au soja. Bon, là, en fait, pour le en projet, j'ai déjà un terrain. Il faudrait juste avoir une cabane, un puits et le poulailler pour que je sois sur place pour mieux suivre et contrôler. Pour le projet, mon projet est déjà presque prêt. Bon, j'ai déjà le puits qui est en train de finir. C'est un chantier, le chantier est en train de finir. Et j'ai le terrain et je dois mettre là mon bâtiment d'élevage en place et une petite cabane pour l'habitation, pour rester constamment permanent à la ferme.